D'abord dire les Chaïm ensemble parce que c'est un Fembringen et parce que c'est un jour particulier. Alors je vais chercher mon verre. Que le moment soit fructueux pour tous, que chacun puisse en tirer un avancement dans le service de Dieu. C'est le but de c'est le but d'un Fembringen. L'Alef Nissan, c'est l'anniversaire du Rabbi. Cet anniversaire est un anniversaire particulier puisque le Rabbi entre dans sa 120e année. Et on voit bien que la Torah nous dit Vehayu Yamav Beavesrim Shana. C'est-à-dire que 120 ans, c'est le moment où s'accomplit pleinement la mission de l'homme sur cette terre. Et donc, la mission du Rabbi, on le sait, c'est de faire venir le Mashiach. Et donc, ça veut dire qu'on arrive maintenant au moment où, à n'en pas douter, le Rabbi obtient un gain de cause, au moment où le monde mérite cette venue du Mashiach. Chacun comprend bien que toutes les difficultés qu'on peut avoir à l'heure actuelle, toutes les particularités de cette période qu'on ne comprend pas. En réalité, est-ce qu'on comprend les autres périodes? Finalement, tout ce qui se passe dépasse largement notre compréhension. Le rabbi a raconté une fois au Fembringen, il a dit que à Samarcand, dans le sud de la Russie, le sud de l'URSS, il y avait un sioum, la conclusion d'une étude à la veille de Pessah, comme fera un sioum demain matin. Et donc, quelqu'un est venu au sioum avec un enfant de 3 ou 4 ans. Et donc, tous ceux qui étaient à la synagogue l'ont dit, tu crois vraiment qu'il arrivera à suivre le sioum qu'on va faire? Est-ce qu'il va comprendre? Et il aurait répondu, pourquoi vous comprenez? Donc le rabbi nous montre que finalement, la compréhension de l'homme est extrêmement relative. Et donc finalement, la présente période, c'est un révélateur qui vient nous montrer à quel point notre compréhension est limitée et à quel point lorsque nous pensons comprendre, alors il s'agit uniquement d'une apparence. Et donc finalement, ce qu'on attend de nous en cette période, c'est la soumission. Si on réfléchit, la soumission, c'est ce qui est le plus difficile à demander de quelqu'un. On demande à quelqu'un qui a un intellect, qui est fier de son intellect, on lui demande de mettre son intellect complètement de côté. Alors, donc le fait de se soumettre, vous voyez que l'expression qu'on emploie en hébreu pour parler de soumission, on peut dire bitoul, mais l'expression courante dans la Torah, c'est kabbalat ol malchut shamaim. Kabbal, c'est une expression très dure quand on réfléchit. Kabbalatol, ça veut dire qu'un animal, on lui met le joug sur la tête, et quand il porte le joug, alors il ne peut plus bouger. Il est obligé d'aller dans la direction vers laquelle on le dirige, sans possibilité de s'orienter autrement. Donc, vous voyez que l'expression même de Kabbalatol montre toute la relativité
de notre compréhension. Donc, on vit dans un moment où la compréhension est difficile, mais finalement, est-ce qu'on comprend même au moment où on croit comprendre ? Je dis que une fois, il y avait le Chaim. Il y a une fois un chauffeur de taxi, vous savez, ces taxis jaunes qu'il y a en Amérique. Un homme qui était en fin de carrière, qui était d'un certain âge. Il y a quelques années, il est rentré au 770 et puis il s'est adressé aux élèves de la yeshiva qui étaient là. Et puis, il leur a dit que quand il était en début de carrière, donc il avait un car service. Bien souvent, il louait ses services à la journée. Il conduisait les gens là où ils avaient besoin d'aller. Et donc, cet homme raconte que dans les années 50, début de l'année Siout, au moment où le rabbi venait de prendre la direction, il y avait un businessman, un homme d'affaires de New York, Mr. Gold, qui avait régulièrement le recours à ses services. Et donc, pendant une journée ou deux journées, il le conduisait dans tous les endroits où il avait besoin d'aller. Et donc, une fois, il a remarqué que cet homme avait un visage très triste. Et donc, il lui dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'homme lui dit, écoutez, ça ne sert à rien que je me confie à vous. De toute façon, vous ne pouvez rien faire pour moi. Alors, le chauffeur de taxi lui a dit, écoutez, des fois, le simple fait de parler, ça soulage. Et donc, l'homme lui a dit, mon fils a décidé de se marier avec une non-juive. Et on n'est pas très pratiquant, mais quand même, on n'a pas de mariage mixte dans notre famille. Et donc, s'il se marie avec une non-juive, ça veut dire qu'il aura des enfants qui ne sont pas juifs. Donc, c'est une perte pour notre famille, c'est une perte pour notre peuple. Et c'est une décision de mon fils qui est difficile à accepter. Et le chauffeur de taxi lui dit, vous savez, il faudrait aller voir le rabbi. Le rabbi sûrement pourra vous conseiller. Et donc, cet homme va voir le rabbi, c'était le début de l'année Siyout. C'était relativement plus facile d'obtenir une yichidut, de pouvoir rencontrer le rabbi que par la suite, que dans les années suivantes. Et donc, cet homme rentre chez le rabbi et lui fait part de ses difficultés. Et le rabbi lui dit, il faut que je parle à votre fils. Revenez me voir avec votre fils. Et donc, 15 jours plus tard, cet homme revient avec son fils et le rabbi dit au fils, vous voulez vraiment vous marier avec elle? Et il dit oui, bien sûr. Et le rabbi lui dit, mais pourquoi vous voulez vous marier avec elle? Et il dit, mais parce que je l'aime. Et le rabbi dit, mais vous l'aimez, mais est-ce qu'un jour elle vous versera un verre d'eau? Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là? Et le père et le fils n'ont pas du tout compris ce que le rabbi voulait dire. Et donc après, il y a eu un silence. Ils ont compris que la yichidut était terminée. Et donc, le lendemain, le businessman appelle le chauffeur de taxi et lui dit, écoutez, vous rendez compte,
Je suis un homme très occupé, mon temps est précieux et vous m'avez fait perdre du temps. J'ai perdu 2 soirées à aller voir le rabbi alors que finalement, il nous a dit des propos incohérents. On n'a rien compris à ce que le rabbi voulait nous dire. Et puis, un peu plus tard, le fils, le jeune homme, est invité quelque part avec sa fiancée non juive. Et c'est un jour d'une grande chaleur, il fait très chaud, tout le monde a soif. Et le jeune homme dit à la jeune fille, tu peux me donner un verre d'eau? Et à ce moment-là, une idée lui vient à la tête. Ce que le rabbi avait dit en Yechidut, le rabbi avait parlé de verser un verre d'eau. Et donc la jeune fille s'approche de la table. Sur la table, il y a une bouteille d'eau gazeuse qui est posée. La jeune fille ne sait pas que cette bouteille d'eau gazeuse, elle a été fortement secouée. Et donc, au moment où elle ouvre la bouteille explose sur sa robe, qui est faite d'un tissu très fragile. Et à ce moment-là, la jeune fille explose. Regarde, ma robe est perdue à cause de toi. T'es bien un sale juif. Donc évidemment, la rupture est immédiate. Au préalable, elle n'a jamais prononcé une phrase pareille. Mais en tout cas, vous voyez, le rabbi peut dire quelque chose qui échappe à notre compréhension. Il y a nécessairement une signification, quelque chose qui vient de plus profond. Donc, ça veut dire que on comprend pas la période dans laquelle on est, on comprend pas pourquoi Dieu nous met dans une telle obscurité, mais de toute évidence, ce moyen de résister à l'obscurité, c'est un attachement sans faille au rabbi. Même lorsqu'on ne comprend pas, même lorsque ça dépasse notre conception des choses. Finalement, peut-être qu'on peut dire que juste avant la venue du Mashiach, alors Dieu veut vérifier la soumission de chacun. Vérifier l'attachement de chacun au rabbi. Alors, c'est un moment critique. C'est le moment où il faut sortir vainqueur de l'épreuve. Dans la chassidoute, on nous dit que le but d'une épreuve, c'est d'en sortir grandi. C'est de recevoir une élévation qu'on n'aurait pas pu avoir sans passer par l'épreuve. Le but de l'obscurité, c'est de pouvoir prélever à une lumière intense. Et donc, cette lumière intense, elle se passe dans les derniers instants de l'exil. On voit que le rabbi nous dit, le rabbi nous explique que lorsque le Mashiach viendra, il y aura 3 villes de refuge supplémentaires. Et le Rambam nous dit que c'est une des preuves de la venue du Mashiach dans la Torah. Parce qu'on voit que dans la Torah, c'est écrit « Ve'yasafta lecha shalosh shanim » Tu ajouteras 3 villes supplémentaires par rapport à celles qui existent déjà. Et, nous dit le Rambam, ceci ne s'est jamais réalisé. Et l'autre, Siva Hashem, la Tohu.
ne peut pas imaginer que Dieu donne une injonction inutile. Donc, nécessairement, la mitzvah doit se réaliser. Donc, elle se réalisera quand le Mashiach reviendra. Et le rabbi nous dit, finalement, c'est une affirmation très, très forte. Ça veut dire que quand le Mashiach reviendra, le nombre de villes de refuge qui existaient à l'époque du Temple ne sera plus suffisant et qu'il faudra en rajouter 3 autres. Une ville de refuge, c'est un endroit dans lequel on envoie celui qui a commis un crime par inadvertance. Et quand Mashiach reviendra, il n'y aura plus de crime. Et Ruach HaTuma Aavir Min HaAretz, Dieu fera disparaître du monde l'esprit d'impureté. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer la nécessité de ces 3 villes de refuge supplémentaires? Eh bien, nous dit le rabbi, ces 3 villes de refuge supplémentaires, elles sont pour les crimes que nous commettons à l'heure actuelle. Et donc, c'est dans l'absence de villes de refuge à l'heure actuelle, et donc dans l'impossibilité de s'y rendre, que nous devrons attendre la venue du Mashiach et à ce moment-là, donc, qu'on pourra rejoindre ces villes de refuge. Et ensuite, le rabbi nous dit quel est, d'après la chassidoute, la définition d'un crime. On voit que dans la Torah, c'est écrit « Shofer dam ha-adam ba-adam damo yishafer ». Celui qui a versé le sang de l'homme, c'est son sang à lui qui sera versé, c'est lui qui sera condamné à mort. Et la chassidoute nous dit, si on regarde textuellement l'expression qui est employée par la Torah, « Shofer dam ha adam ba adam ». Textuellement, celui qui verse le sang de l'homme dans l'homme. On a l'impression presque d'une transfusion sanguine. On retire le sang chez le premier homme pour le donner au deuxième. Et donc, nous dit la chassidoute, « Shofer dam ha adam ba adam », ça veut dire « Shofer dam ha adam d'Igdusha be'adam bilia'al ». C'est retirer le sang de l'Akdusha pour l'introduire dans le sang des clipotes. Le sang, Adam ou Nefesh, le sang c'est la vitalité. Et donc, n'importe quel écart par rapport à la volonté de Dieu est un crime, c'est-à-dire un détournement de la vitalité divine que Dieu accorde à chaque homme, qui au lieu de rester dans le domaine de la Kedusha, au lieu d'être investi dans le service de Dieu, est investi dans les domaines du monde. Et donc, sur ça, sur tous ces détournements de vitalité, alors nous aurons des comptes à rendre quand le Mashiach viendra. Évidemment, on parle de quelqu'un qui a commis un crime par inadvertance. Personne, aucun juif, ne fait un crime en conscience. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est conscient de la portée de ses actes, quelqu'un qui sait qu'en détournant la vitalité de la Kedusha pour l'investir dans les clipotes, alors on fait que les forces du mal soient plus puissantes dans le monde, qu'elles puissent attaquer un homme plus fortement. Quelqu'un qui est pleinement conscient de ça ne le fera pas. Donc, chaque fois qu'un juif fait une faute, elle est nécessairement par inadvertance. Mais après, le but de la présente période, c'est de retirer toutes ces fautes qui sont commises par inadvertance. Le but de la présente période, c'est d'essayer de revisiter son comportement pour que le joug, kabbalatol, le joug s'applique tellement fortement qu'on ne puisse plus bouger ni à droite ni à gauche.
Alors, c'est clair que Yudalef Nissan, c'est un moment particulier. On peut y arriver plus aisément qu'à d'autres périodes de l'année. C'est le jour Mazlo Gover, le Mazal du Rabbi est dominant tout au long de cette journée, même pendant la nuit qui fait suite à la journée. On continue à avoir ce Mazal du Rabbi. Le Rabbi nous explique lui-même que le Mazal est modifié chaque heure. Chaque heure correspond à une combinaison différente du nom de Dieu, et donc à une influence astrale différente. Quand arrive le moment de l'anniversaire d'un homme, alors on fait que le mazal de sa naissance, le mazal qui présidait au moment de sa naissance, soit présent pendant tous les 24 heures de la journée et même au-delà de celle-ci, de façon à ce qu'il puisse se renforcer, prendre des bonnes décisions pour l'année qui vient, regretter, réparer tout ce qui doit être réparé pour l'année qui est passée. Donc, il y a des moments qui sont plus porteurs que d'autres. Maintenant, on peut arriver à tout changer. C'est évident que le rabbi nous a fait pleinement confiance. Le rabbi nous a défini les termes de la mission. Et ensuite, le rabbi attend de la part de chacun la soumission, le désir profond de mettre en pratique sa volonté. Pour ça, on a besoin de prendre à la lettre chacun de ces termes et de faire en sorte que sa volonté s'applique concrètement. On voit que le rabbi lui-même a mis Yudalef Nissan à la portée de chacun. On voit que, par exemple, souvent le rabbi a commencé le Fabringen de Chafav, le Yortzeit de son père, en disant un Yortzeit, a priori, c'est quelque chose de personnel. Pourquoi faire un Fabringen qui concerne tout le monde le jour d'un événement personnel? Et donc, finalement, ce que le rabbi a fait tout au long de sa vie, c'est prendre des choses personnelles et les mettre à la portée de tout le monde. On voit que le rabbi souvent a enseigné des coutumes, des pratiques qui étaient respectées depuis longtemps la maison du rabbi, dans la famille du rabbi, mais qui n'avaient pas été mises à la portée de tout le monde. Et donc, le rabbi les a enseignés pour que tout le monde puisse adopter ces pratiques. Et vous voyez que souvent, on voit dans ces sirot, le rabbi dit, c'est inimaginable quand on pense, le rabbi nous dit, quand le rabbi précédent m'a enseigné cette coutume, alors il m'a dit, il ne faut pas les diffuser. Et puis au moment où il m'a dit ça, sûrement il savait que je ne pourrais pas m'empêcher de le faire. Et donc, au moment où il m'a demandé de ne pas diffuser, sans doute, il savait que je le diffuserais. Et donc, au moment où je le diffuse, je ne vais pas à l'encontre de sa volonté. Finalement, c'est l'essence même du rabbi de mettre à la portée de tout le monde ce qui, au préalable, était réservé à une élite, à la famille du rabbi. Et donc, le but, c'est de ne pas rester indifférent par rapport à tout ça. On voit qu'il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Tsur yeladecha teshi vatishkarkel mecholelecha » La Torah constate que l'homme a un pouvoir d'oubli, koach hashikra. Et la Torah nous dit, ce koach hashikra,
c'est une force puissante, c'est une force profonde qui est accordée à l'homme. On voit que si un homme portait sur lui en permanence le poids de tous ses échecs, le poids de tous ces moments difficiles, le poids de tous les moments humiliants qu'il a eu dans sa vie, alors peut-être qu'un homme ne pourrait pas survivre, parce que ça serait trop difficile à porter. Et donc, c'est pour ça que Dieu a donné à l'homme la force de l'oubli. Et c'est pour ça que quand on a vécu un bon moment, quand on a partagé quelque chose de fort, alors on sait s'en rappeler, on sait conserver ce moment-là dans son esprit. En revanche, quand un moment a été très difficile à supporter, alors on arrive avec le temps à l'évacuer de son esprit. Et donc de cette façon-là, on peut parvenir à un équilibre psychique qu'on n'aurait pas autrement si on n'arrivait pas à évacuer toutes ces pulsions négatives qu'on a en soi. Seulement, la règle dans le domaine de la Kedusha, la règle que Dieu a instaurée au moment de la création du monde, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre le bien et le mal. Ça veut dire que tout ce qui fait beaucoup de bien peut faire aussi beaucoup de mal. Le rabbi a dit une fois, dans une sikha, le rabbi a dit, avec une bombe atomique, quand la bombe atomique a été conçue pour la première fois, on aurait pu l'utiliser pour faire des années d'électricité gratuite pour tous les États-Unis, c'est-à-dire l'utiliser pour faire beaucoup de bien. Seulement, parce qu'elle peut faire beaucoup de bien, alors à cause de ça, elle peut faire aussi beaucoup de mal. Et donc, quand on l'a utilisée pour détruire, alors on a fait le plus grand nombre de victimes qu'une bombe n'a jamais fait. C'est le principe que Dieu a instauré dans le monde. C'est le fait que tout ce qui a un grand effet positif peut avoir un grand effet négatif. C'est pour ça que le verset nous dit « Vatish karkel mecholelecha ». Dieu a donné à l'homme le koach hashikra pour que l'homme puisse parvenir à un équilibre psychique, et Dieu a donné également à l'homme le libre arbitre. Et donc un homme peut utiliser ce koach hashikra pour oublier Dieu. Tout ça nous concerne, Yudalef Nissan, parce que ça fait déjà de nombreuses années, malheureusement, qu'on ne voit pas le Rabbi avec nos yeux, même si on sent chaque jour son impact sur notre existence, malgré tout, on ne le voit plus avec nos yeux. Et c'est une souffrance, c'est une douleur. Et donc, ça veut dire que le risque, c'est de s'accoutumer à une telle situation. C'est que tout ce que le rabbi nous a donné, c'est une histoire ancienne, et puis maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Et puis peut-être que tous les enseignements du rabbi ne s'appliquent plus à la lettre, parce que quand le rabbi a dit ce qu'il a dit, alors il ne savait pas qu'on vivrait maintenant une épidémie tellement dure, et il ne savait pas non plus telle autre chose ou encore une autre chose. Et ça, c'est une bombe atomique. Ça, c'est un moyen de faire énormément de pertes, parce que sans l'ombre d'un doute, le rabbi nous a donné tous les moyens pour continuer à aller sur le droit chemin et pour vivre avec lui, avec la force, avec toute la force de cette vision quotidienne qu'on doit avoir du rabbi. Chacun a entendu l'histoire de Chaim. Quand
quand la Russie a commencé à se libéraliser, alors les élèves de l'Yeshiva sont partis en Russie, ont commencé à tourner dans les villes, dans les villages, pour essayer de trouver tous les juifs qui pouvaient rester encore là-bas. Et une fois, des élèves de l'Yeshiva arrivent dans un village et on leur dit « Nous aussi, ici, on a un Lubavitch. » Et donc, les Bachorim ont pensé « Un Lubavitch, quelqu'un qu'on ne connaît pas. » C'est sans doute quelqu'un qui, au préalable, a eu une relation quelconque avec Lubavitch. Et puis maintenant, sans doute, il s'est éloigné avec tellement de... En ayant été esselé, tellement éloigné pendant toute cette période, qu'on peut imaginer qu'avec tout le temps, il soit resté intègre dans la chassidoute. Et donc, les chassidim vont voir cet homme et ils voient un vieil homme qui a une barbe complète, qui, de toute évidence, a encore toutes les coutumes de la chassidoute, alors qu'il vit tout seul dans un village reculé de Russie, dont tous les autres juifs sont des gens qui sont très éloignés de la pratique. Et il commence à leur raconter qu'il a étudié à la Yeshiva Lubavitch et qu'il a vu le Rabbi Rachab. Et les Bachorim lui ont posé la question, mais comment on fait pour tenir aussi longtemps? Comment c'est possible de vivre seul, d'être éloigné de tout endroit où il y a des chassidim et de pouvoir tenir aussi fort? Et à ce moment-là, le vieux chassid va droit et il ressort un papier jauni. Et voilà, le dernier Mahamar que j'ai entendu du Rabbi Rachab. Et donc le Mahamar avec lequel je vis jusqu'au moment où j'entendrai un autre Mahamar du Rabbi. Et vous voyez que le temps qui n'apporte l'oubli que quand on décide d'oublier. Parce que le libre arbitre s'applique dans tous les domaines, et qu'on peut choisir également un choix conscient ou un choix inconscient, en tout cas un choix confortable, d'oublier. C'est des histoires du passé, donc maintenant, il y a d'autres choses, il y a d'autres préoccupations dans la vie. Chacun doit imaginer comment on aurait vécu si le rabbi pouvait encore nous donner des directives physiques. Et on a connu une époque où le rabbi nous réveillait au milieu de la nuit et on ne savait pas que le rabbi allait parler. Le rabbi ne le disait pas. Et c'est ça Kabbalatol. Kabbalatol, ça veut dire que sans doute le rabbi avait déjà décidé depuis longtemps qu'il allait faire un Fabringen. Alors pourquoi prévenir 5 minutes à l'avance? Et à ce moment-là, il faut faire tous les préparatifs dans l'urgence. Si le rabbi avait prévenu quelques heures de plus, on aurait pu préparer plus facilement et surtout prévenir plus de personnes. À ce moment-là, un plus grand nombre de personnes aurait entendu ce que le rabbi disait. Donc finalement, ce que le rabbi attendait de nous, c'est d'être toujours prêt. Donc vous voyez comment il y avait à chaque fois un nouveau miftsa. Je me rappelle quand le rabbi a lancé les miftsaïm, c'était inimaginable. Le rabbi n'a pas lancé tous les miftsaïm en même temps. Et donc le rabbi lance un miftsa. Après, tout le monde
se demande comment on va faire pour mettre en pratique ce mitzvah. Et avant même qu'on aboutisse à une vraie organisation, le Rebbe en lance un autre et encore un autre. Donc, il y a un mouvement permanent. En permanence, on est en train de faire quelque chose, d'ajouter quelque chose. Alors, c'est ça le but de Yudalef Nissan. C'est de se maintenir dans cet état d'esprit et se dire que rien n'est modifié par rapport à l'époque, qu'on ne voit pas le... On ne voit pas le rabbi, c'est une épreuve. Ça ne veut pas dire que le rabbi n'est pas là, ça ne veut pas dire que le rabbi n'attend pas de nous ce qu'il attendait à l'époque, il attend de nous la même attitude. Il n'est pas là pour le dire parce qu'il s'adresse à des adultes qui sont capables de comprendre les choses par eux-mêmes, à partir du moment où ils ont toutes les références nécessaires, où ils peuvent à tout moment les consulter. Alors, le Rebbe n'est pas obligé de répéter en permanence. Le Rebbe peut dire, voilà, les choses s'appliquent telles qu'elles ont été dites, telles qu'elles ont été données. Et donc, voilà, il n'y a pas de doute, on arrive, le Rebbe nous l'a promis, on n'a pas l'ombre d'un doute que le Rebbe tiendra parole. Et donc, surtout, il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher. Et ça veut dire que l'engagement, c'est un engagement de chaque instant. Et c'est en vivant avec le Rebbe à chaque instant, en essayant de méditer profondément à chaque mot du Rebbe. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce mot? Comment on peut le comprendre? J'ai raconté une histoire il n'y a pas longtemps et je pense que Chaim, une histoire de laquelle chacun peut tirer un enseignement quand arrive le Yudalef Nissan, c'est que le père du Rav Azimov, le Rav Chaim Hillel Azimov, Rabba Shalom, c'était le directeur des Talmud Torah de la région parisienne. Et donc, quand on a fait le premier Gan Israël à Paris, évidemment, le Gan Israël s'appliquait à ce. C'est concerné alors essentiellement les enfants du Talmud Torah. Et donc, quand il y a eu ce premier Gan Israël, le rabbi a envoyé une lettre au Rabbi Hillel Azimov, une bracha pour l'ouverture du Gan Israël. Et donc, le père de Moulet est arrivé un matin à la choule, 17 rue des Rosiers, et il m'a montré la lettre. C'est une lettre de 2-3 lignes. Le Yehé Ptichat Gan Israël Be'atzlacha, que l'ouverture du Gan Israël soit fructueuse et que ceux qui viennent au Gan Israël soient de bons arbres, portant de bons fruits dont on pourra conserver l'effet ensuite pendant toute l'année. 2-3 lignes. Il me dit, voilà, je voudrais traduire cette lettre en français et la distribuer à tous les enfants. Est-ce que tu peux m'aider à la traduire en français? Bien sûr. Et donc, quand on a fini la tefila, j'étais avec lui à son bureau qui était rue Mélée. Et donc, il me dit, bon, on va traduire une lettre du Rebbe, il faut qu'on aille au mikvé. J'ai été au mikvé ce matin avant la tefila. Il m'a dit, ça ne fait rien. On retourne une deuxième fois au mikvé parce que on va lire une lettre du Rebbe, donc ça justifie qu'on retourne au mikvé. On est retourné au mikvé, ensuite on est arrivé à son bureau à la rue Mélée, et il m'a dit, tu sais, traduire une lettre du Rebbe, c'est une responsabilité, il faut être sûr qu'on comprend exactement ce que le Rebbe veut nous dire. Donc on va commencer par dire des Tehillim. Et donc on s'assoit
ensemble, tous les deux, commencent à lire des Tehillim. Et puis, après avoir lu des Tehillim pendant un certain temps, ou même un temps certain, alors il me dit, avant de traduire la lettre, il faut d'abord qu'on soit sûr de l'avoir comprise. Et donc, on commence à étudier cette lettre de 3 lignes. Et donc, ça a pris un temps incroyable, parce qu'on s'était arrêté vraiment sur chaque mot. Pourquoi le Rebbe a employé ce mot-là plutôt que ce mot-là? Pourquoi le Rebbe a dit ça? Et qu'est-ce que le Rebbe voulait dire au moment où il a dit ça plutôt qu'il aurait pu dire telle autre chose? Pourquoi il a dit ça? Donc, on est vraiment rentré profondément dans la lettre. Après ça, donc j'ai traduit les 3 lignes en français. Et il m'a dit, mais est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que vraiment c'est bien ça? Est-ce que, au point de douter, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vraiment, je suis arrivé à traduire cette lettre. Ça veut dire que une traduction qui aurait dû me prendre un quart d'heure, elle a pris toute une matinée. Vous voyez à quel point les chassidim avant, ils ont compris l'importance d'un mot du Rebbe. Et c'est ça l'enseignement que chacun doit tirer de Yudalef Nissan. Yudalef Nissan, c'est le moment d'introduire profondément en soi un mot du Rebbe, de faire en sorte que chaque mot soit déterminant dans sa vie, qu'on puisse l'utiliser comme un guide. Donc, sans l'ombre d'un doute, si on arrive à s'attacher au Rebbe de cette façon-là, on a vu des chassidim qui nous ont donné l'exemple, et sans doute ce qu'on a vu nous-mêmes, c'est pour pouvoir vous le raconter et que vous-même vous considériez comme si vous l'avez vu de vos propres yeux. Le but de tout ça, c'est de pouvoir faire un pas en avant dans le service de Dieu, sentir qu'on est plus proche de Dieu, sentir qu'on est plus sensible à un mot du Rebbe, et surtout avoir la conviction que pourquoi on vit dans un monde obscur, c'est parce que la Chassidoute nous dit que l'obscurité qui a été transformée en lumière devient une lumière beaucoup plus intense, et que lorsque on aura transformé en lumière par nos efforts, par nos actions, par notre comportement, l'obscurité profonde dans laquelle le monde se trouve actuellement, alors on sera à ce moment-là dans un monde lumineux, monde de l'avenue du Mashiach, le monde dans lequel on pourra voir le propre yeux, et sans l'ombre d'un doute, ça peut être dès ce soir. Et donc, les chayim, on doit considérer qu'on est encore dans Yudalef Nissan, que toute cette soirée, c'est la soirée de Yudalef Nissan, que ça peut être un tournant dans sa vie, si on le décide vraiment, et à ce moment-là, on continuera le Fabringen un peu plus tard, en présence du Rebbe. Chaim. Chaim à tout le monde. Chaim. Mazel Tov. Bonne nouvelle, Pessah Kasher et Sameach. Et que la prochaine fois, on se rencontre à Yerushalayim dans le Beit HaMikdash. Amen.